Alors tout d'abord, bonjour. Alors je sais, vous vous demandez pourquoi on est dans ma chambre. Normalement, on est en voyage quelque part, le plus souvent en Angleterre, faut dire. Eh bien, on manque pas à la règle. Pour tout vous dire, je viens de finir la première partie du montage de l'épisode 1 de mon précédent voyage, qui était à Manchester, et j'ai oublié de faire une introduction. Je vous propose de partager avec moi mon voyage à Manchester en Angleterre pendant une semaine. Et puis je vais vous montrer tout ça. On va aller à Manchester forcément. On va aussi aller à Blackpool. On va visiter la ville, voir des choses qu'on ne connaît pas forcément. Surtout que Manchester, c'est pas la ville la plus touristique d'Angleterre, il faut dire. Donc avis aux fans d'Harry Potter, il y a une première surprise dans l'épisode 1. Je ne vous en dis pas plus. Et puis si vous aimez Las Vegas, franchement Blackpool au niveau Las Vegas anglais, c'est exactement ça. Du coup, je vous propose de regarder la vidéo qui va suivre. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, à aimer, commenter ou partager. Allez, c'est parti! Juste, j'ai oublié de te dire, comme je suis réellement emboulée, j'ai quand même un blog, donc l'aventureuse.fr, où tu peux trouver toutes les infos pratiques sur le voyage, dans mon article qui va sortir très prochainement, voire en même temps que cette vidéo. Donc si tu veux plus d'informations, tu peux cliquer là. Donc j'ai fait une petite fiche où tu peux cliquer directement sur le lien pour accéder au site. Allez, bon visionnage! Donc là on voulait rentrer dans la Central Library, mais c'est fermé vu qu'on est dimanche, donc on sait pas. Suspense. Donc là on est dans la mairie. Je peux vous dire que c'est très joli, très très joli. Après le café d'hier, on a réussi à rentrer dans la mairie. Une salle qui ressemble très fortement à une salle de bal. C'est juste sublime. Petit selfie avec Benjamin Smith. Le Mulberry Passage. Il y a un petit tapis. Ah oui. Trop dégueulasse. C'est pour nous accueillir. Il y a des citrouilles pour Halloween. Donc là, on est devant la bibliothèque où a été tournée une partie d'Harry Potter.
donc on va rentrer dedans. Donc là, comme je vous disais, on est dans la bibliothèque qui a inspiré le film. Je suis prête.